J'ai oublié la caméra. Benvenuti sul Matterhorn Express. Godetevi il viaggio. Confermate. C'était un été assez malchanceux. Routier. Bon ben la chambre est plutôt très confortable. Point refuge et la vue est magnifique. Termat. Chimito. Nickel. Chimito, je vais avoir le. Avoir la montagne derrière. Ah bah oui, bah tiens, fais le. On peut pas avoir la caméra qui bouge trop, non? Non, après il y a un stabilisateur. Ouais, c'est trop bien. Chimito. Chimito. Bonsoir, il est 21h35, demain on se lève à 3h30 pour être prêt à 4h, 4h petit-déj, et 4h30, on part d'ici, donc là c'est l'endroit où on se trouve, c'est la Orny Hutte, on est à 3260 mètres d'altitude, et on va monter jusqu'au sommet du Cervin, donc par l'arête du Orny, c'est la via Wimper, c'est la voie normale du Cervin. C'est la première voie qui a été empruntée justement par Wimper pour arriver ici au sommet à 4478 mètres d'altitude. Et pour redescendre, donc ça nous prendra 4 heures pour monter, et pour redescendre, on va redescendre exactement par le même trajet et on devrait mettre un peu plus de temps, environ 5 heures pour revenir ici, si possible, alors que les orages éclatent, normalement en fin de matinée, début d'après-midi. Parti. Il ouvre la porte, ça y est. Il est où Eric?
Hein? Ok. Ah, Eric, Martin, petit sourire. Bon, la caméra. Ça, il se lève. Hein, le mec devant. Ouais. Faut attendre qu'il soit en haut, non? Ça va, Martin, jusqu'à présent? Nickel. On a des super conditions. On est à 4100 là? Il reste 400. Et il est 7h11. Je fais comment, que la corde aille d'un côté et je fasse de l'autre. Hein? Pardon? Ouais. Ok, j'attends. Ça va. C'est bon, ok, d'accord. Thank you.
regarde mes pieds là. D'accord. Je regarde devant. Ouais, j'en fais pas souvent, tu sais. Ouais. D'accord. Dans les trous. C'est impeccable. Quelle? On y a. Vous l'avez fait dans
Hyundai. Ouais. Ouais. Ouais, je vais prendre une photo aussi. Bien joué!